dedans de moi. Ah, c'est horrible. Et on verra. Ok, Thomas, c'est bon pour toi, je vais rentrer sur scène. Les amis, je découvre la vidéo en même temps que vous. On a fait que l'intro, j'ai déjà envie de pleurer, c'est trop stylé. Je suis l'équivalent française de Madonna. Avec toutes mes valises, il n'y a personne qui nous attend. Oh, la Chantal. On est à Nantes et ce soir c'est la première du mini tour et on joue au décadence. Voilà. Alors quoi là, on fait quoi? Bah on va à la salle et on fait les balances. Et voilà. Ça c'est Jay. Jay qui était au clavier, donc il faisait le piano, il m'accompagnait, on avait des petites balades à deux et tout. Il est trop fort. Putain, c'est... trop fort d'abord, Jérôme. Gré des M&M's. C'est bien, mais bon. C'est des M&M's. Hein. On dirait mais une ado torturée, quoi. Mais avec plein de bails et tout, ça va. De toute façon, vous n'êtes que des hommes. Je suis fatiguée. Oh, ouais. Elle m'épuise cette tournée. Oh putain. Regarde, c'est beau. Le zénith de Nantes. C'est mignon. Je vais pouvoir mettre mes stickers sur la porte. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui attendent devant. J'ai collé mes stickers. Ah, comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Moi? Mais tu sais pas? Bah si, Jules. Oh bah c'est fou. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas l'air. Hein. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas l'air non plus. Jules encore, putain, mais voilà. On peut changer de nom, tu veux t'appeler Louis, Léandre? Non? Chloé, Manon, oui. Léa. Lui, c'est Léandre. Lui jouait de la basse et de la guitare selon les morceaux. On en met partout, bordel! Oh! Encore la faute à Benoît! Y'a un médecin, y'a quelqu'un qui va chanter. En gros, imagine que t'es sur un pont et un train qui passe hyper vite. Non. Mais c'est énorme. Merde. Non. Mais là, c'est un temps de shotgun. Tu veux aussi dire qu'il y a un temps de parler ou faire un échange. Non, 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 non. Non mais Benoît, regarde, filme les chaussettes de Benoît. Benoît aussi, il a toujours des chaussettes. Où est Charlie? C'est où est Charlie? Bah, on l'a cherché pendant des années, il était sur les yep à Benoît. Là, c'est Benoît. Donc lui, il était aux percussions, donc il est derrière moi tout le long, il fait le pad, quoi. Tu l'as volé où? Ça, c'est les trucs gratuits. Benoît, tu rentres. Un mot à dire pour cette dernière date, Benito Constable, toi. Très tactique. J'ai l'impression comme si c'est un petit écho, mais pas tout le temps. Tu fais ça. T'as monté là, elle a gratté la voix. Ah ouais, c'est mieux. Alors les balances, en gros, c'est les répétitions avant le concert. Donc environ 2 heures avant le début du concert, on se met dans la salle et on règle le son. Parce que sur le mini-tour, les garçons, ils faisaient un peu maker parfois. Et voilà, le concert des balances. J'ai peur, il n'y a personne. Jamais assez, et
si tu fais mieux, de toute façon c'est jamais assez. Y'a que les autres autour qui réussissent. Et toi, tu passes ta vie à rêver. Là, il faut que j'aille me faire la gueule. Alors, là, on vient de terminer les balances. Et je commence à stresser. En gros, à chaque fois, en fait, avant de monter sur scène, ça va, mais l'heure avant de préparation et tout, où il y a des gens, il y a du monde et tout, ça me... Enfin, à chaque fois, je fais que le concert pour l'instant, mais... À chaque fois, ça me stresse. Et là, c'est mon premier concert toute seule, donc je suis un petit peu stressée, mais ça va bien se passer. Eh oui. Il va avoir du volume. Alors c'est pas beau, ouais. Je sais pas, je me demandais, vous avez un petit truc à mettre, une playlist, ou en attendant pour les 30 minutes, ou on les laisse merde. Comme ça, je sais pas. Ils sont dans le silence complet. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu veux me parler? Ah ouais, Mamma Mia. La VO de Mamma Mia. La VO de Mamma Mia, je vais demander. Il y a deux meufs, alors ça, c'est pas pour moi. Putain, je suis trop stressée. Non, ça va aller. Elles m'ont ramené des princes dans ma tête. Tu sais qu'il y a les fourrés des mandarines là-dedans? Ah, c'était une blague à la base. Ah, c'est super. C'est elle moi, parce qu'elle est tombée par terre. C'était la poubelle, ah, c'est bien. Hein. Le show commence dans 10 minutes. Enfin, il est 18, 19 et ça commence à 30. Mais alors, ma tenue, c'est pas, il n'y a pas la veste, c'est juste comme ça. Voilà, je vais être à l'aise. Un petit dos, j'ai pas d'étiquette. Non. J'ai oublié mes boucles d'oreilles, mon gel à sourcils et mon rouge à lèvres. Mais tant que j'ai pas oublié ma bonne humeur pour le concert, c'est bon. Oh là là, mais je suis tellement trop. Mais quelle idée de merde! Continuez de parler, je vous en ai une. Je suis un gamin, tu parles, ils sont les deux fans. Ouais. De toute façon, je vais te dire un truc, c'est la baraque en plastique. Continuez de parler aussi fort, je vous exclus de ma room. Oh là! Oh waouh! Je rigolais, ah non. Moi, c'est Marcus. Vers l'infini et on verra! On y va, on y va. Merde! Merde! J'ai acheté un peu. Mais parce que j'ai froid. Rien t'arriver, Marvel. C'est ça, j'ai pas mis de chien, c'est vraiment ma culotte. Là, en gros, pour Lille, Bordeaux et Nantes, là on a Nantes, j'ai fait une intro où je parle et je vous dis un peu des clichés sur la ville. Je tremble, j'arrive pas à parler, mais je vous explique après. Ouais, ouais. Ma bague en applaudissant, les gars. Je vous dis la vérité, quand j'étais dans la loge, j'ai mis la tête au-dessus de la fenêtre et il y avait trois filles qui étaient là et elles ont ramené des gâteaux princes parce que dans la chanson, je parle de ça. C'est trop bien. Maintenant, on va rencontrer les gens. On va se casser, ouais, juste toi et moi. Des heures à parler de la vie qu'on aura. Quand on sera posé, des bébés sur les bras. T'inquiète, c'est encore loin de moi. C'était super. Maintenant, je suis très fatiguée. Merci Nantes, c'était vraiment trop bien. Les gens, ils étaient trop bienveillants. J'avais l'impression d'être drôle et j'étais trop contente parce que les gens connaissaient les paroles. C'est la première fois que les gens, ils chantaient sur mes chansons. Et après, on a rencontré les gens pendant 2 heures. C'était trop bien. Et là, on a mangé de la pizza. Voilà. Nous sommes bien arrivés à Bordeaux. Et là, on va faire une petite promo radio. Ensuite, on doit enchaîner sur les balances. Et ensuite, c'est le concert de Bordeaux, quoi. Ça va les amis, tout le monde va bien? Ça va, pas mal du tout. Oh là là. Ça a l'air d'aller très bien. Alors Jérôme, il est en décuite. ça fait trois jours. Jérôme a pris une fuite il y a 3 jours. Il commence doucement à s'en remettre. C'est beaucoup. Ça fait combien de temps de route, monsieur, s'il vous plaît? Il y en a pour 20 minutes. Ok. Et Laure, elle a sauvé quelqu'un sur le quai de la gare. Oui, il y a quelqu'un qui a fait un malaise quand on est sorti du train et j'y servi à rien, j'avais aucun réflexe. Heureusement que Léon était là, j'étais vraiment genre, je tenais les valises et je paniquais dans ma tête, je pensais c'est quoi le numéro de la police. J'ai levé les pieds et j'ai juste fait, il y a un médecin, il y a quelqu'un qui a chanté. Elle était trop belle la fille. Mais du coup, elle était très blanche sur le moment. Très blanche. Ça sent les toilettes de vous. Ça sent les toilettes, ça sent ça.
attendez, poisson, ascendant, poisson. Non, je suis poisson, ascendant. Ascendant, c'est. Je crois que je suis scorpion. Ah merde. C'est les ça. Deux opposés. Je suis une bicosse qui va devenir méchant. Attention. Bonjour Stilto. Bonjour. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je fais une radio aussi. Donc c'est vraiment le début de début. J'écoute ma chanson dans le train parfois, ça m'arrive. Mais c'est plaisant. Et je regarde le paysage défiler, je me crois dans un film et je l'adore. Alors, je me sens comme une vieille. Ah ouais, non, ça. Contre-jour. On est un peu con. La meuf, elle est bloquée en 2016, genre. Vous connaissez votre challenge? Non. Tiens, tu me passes, tu fais un petit câlin. Quoi? Alors, un jour, je te fais un Mondor chaud. T'aimes la raclette et tout? Ouais, moi j'adore. Je te fais un Mondor chaud. C'est sous-côté, mais c'est incroyable. Allez, à la fin de la tournée. Mais alors, un Mondor chaud, c'est pas sous-côté du tout. À la fin de la mini tournée, le Mondor chaud, je te. Mais c'est pas sous-côté, genre fondu dans un petit bol. Non. Un petit bol? C'est pas le même truc. Un petit truc comme ça, quoi. Dans une boîte. Une boîte. En boîte en sapin. Non, mais parce que les gens. Mais le Mondor chaud, tout le monde fait ça. On va vite tous chez Laurent, on va faire un Mondor. Alors là, non. Alors, moi vivante, non. Non, mais parce que ça pue, sinon. Luan, elle m'a appelé trois fois hier. J'étais en mode putain, merde, il y a un problème. Après, elle m'a dit en fait, c'est pour te dire que j'ai écouté les visages et les odeurs dans la voiture et j'ai pleuré. Et je pense que c'est ça. C'est que... Lui, c'est Thomas, l'ingé son, et ici, c'est Hugo, l'ingé lumière. En fait, tu peux faire quoi, est-ce que. Ça va? Aïe! À chaque fois, je me tape la même dent. J'ai peur, genre. Non, bah, je te jure qu'il n'y a rien. Process de rassurance. Je vous jure, les gars. Quand je tape, là, j'entends. Non, je te jure qu'il n'y a rien du tout. Avec l'ongle, je sens une énorme fissure. Non, bah, non, je... À la fois, j'adore le moment, mais c'est terrible. Je me suis pété la dent. J'ai perdu un bout de dent à Bordeaux. En gros, il y avait le micro, le pied de micro. Et j'ai mis le pied de micro qui était bancal. Et ça a fait comme dans les dessins animés, les râteaux. Poum! Sauf que là, ça, le micro est dent à dent. Et au début, j'ai voulu rigoler un peu. Et après, d'un coup, j'ai fait ça. Et j'ai senti qu'il y avait une entaille, faille dans ma dent. Il y avait un petit bout qui pendait. Ah non, moi je croyais que c'était une fissure au milieu de la dent. Mais là, c'est rien du tout. Mais je vous jure! C'est bon, il a mangé des larmes partout. Il y a rien, regarde. Allô, je te dis qu'il y a. Mais genre, c'est ma dent. Un zoom x 47 là. Mais alors, c'est ma dent, évidemment que je zoome. Oui, mais là, ça se voit pas, ça que je te dis. Bon, de toute façon, on va pas la refaire maintenant, hein. Je te jure, ça se voit pas. Non, mais... On voit sur la cam. Genre, on voit la non, dent zoomé qui de pend, fou, genre, de mais fou. Alors. Arrête de me dire rien, je te jure que je vais te tuer, là, par contre, genre. Au début, j'étais juste triste parce que j'avais pas mal. Après, je suis devenue un peu désagréable parce que tout le monde me disait, y'a rien. Et je disais, mais les gars, y'a, genre, je vois. Et personne ne me croyait. Après, ils ont avoué. C'est notre embrouille. On en a bien ri. C'est bon, ça va mieux. Pardon, mais j'ai quand même perdu un bout de dent. J'ai peur. Je n'aime pas le avant conseil. Mais à Bordeaux, ils sont peut-être moins chauds. Comment ça va Bordeaux? Faut pas que je me trompe de ville. Comment ça va Bordeaux? Et en fait, à chaque fois qu'ils applaudissent, ça me... À la première, j'oublie tout ce que je dois dire après. Ouais. Je suis genre... Il y a toujours un moment où je suis là... Oula. Du coup, ils m'applaudissent, du coup, je suis genre... Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence. Mais t'achètes un t-shirt à chaque fois. Que notre ivresse soit le fruit de... Exactement. Mais en fait, je comprends pas où tu vas. C'est quoi le but du jeu? C'est que quand, mon cher ami, quand on sera enfoui sous la neige, nous serons tous des vikings, bah moi j'aurai chaud. Il y a la setlist, hein, il y a tout là. Hein, vous me répondez pas. Personne ne répond. Vers l'infini, ça... Non, mais j'aime pas le vers l'infini. Ça, ah, okay. Ça nous place dans le boomer, genre. Attention, excuse-moi. Ah, me touche pas, t'as les mains froides. Bah trouve un truc. On le fait. Arrête. Oh, pas bon. Pour moi, avec mes sweats. Ah, c'est vrai que c'est mieux. C'est horrible. C'est génial. C'est trop angoissant. C'est génial. Beaucoup plus angoissant que le chaud. Putain, j'ai trop peur. Ça va me faire ça à chaque fois. J'irai pas sur la lune, je changerai pas le nuit. Je sais, je suis pas nulle, mais parfois je me sens comme une. J'irai pas sur la lune, je toucherai pas le ciel. Je sais, je suis pas nulle, mais je suis. Je voulais venir te faire un petit salut parce que j'ai jamais fait de fin de concert correct. Donc j'aimerais trop pouvoir faire en sorte que les garçons saluent avec moi. J'ai jamais fait ça, vous m'apprenez, hein. Merci beaucoup, je vous aime.
du fond du cœur et je dis jamais je t'aime aux gens que j'aime, mais vous vraiment, vous méritez, vous m'avez donné tellement de force. Merci infiniment. Putain les gars, j'ai chié une chanson. T'as rien chié du tout. Ah, écoutez pas ce que je dis. Hey, j'ai trop réussi. Là on est à l'hôtel, il est minuit 30, ça s'est très bien passé, on a un petit peu débriefé, là tout le monde allait dormir, je vais aller dormir aussi, je vais aller manger, j'ai trop faim. On a fait les photos encore avec les gens après, ça c'est trop bien parce que ça permet de, bah, ça permet de vous voir. Et le concert s'est plutôt bien passé, j'ai oublié mes paroles à un moment mais franchement ça va, ça s'est pas trop vu et les gens ont chanté donc ça m'a aidé. Mais non, je suis plutôt fière de moi, c'était bien, j'ai hâte d'aller à Lille dans 2 jours. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je suis vraiment en train de vider pour la vaisselle. Aïe, merde! Attention. Aujourd'hui, c'est Lille. Donc, je n'ai pas de suite à... Ah si, j'ai un drama. J'ai un drama, j'avais loué une robe sublime, bustier, longue. C'était ma tenue préférée, j'avais trop hâte. Et en fait, la robe, elle me va pas. Genre, elle me va pour une photo si je veux faire la meuf. Mais mes seins, on dirait dans le premier film Pirates des Caraïbes, quand la meuf elle met le corset et qu'elle arrive pas à respirer, elle est en mode je vais mourir, bah ça me fait pareil. Mais surtout, j'essaie de sauter devant le miroir et j'ai l'impression que j'ai quand même un sein qui peut se retrouver devant vous quoi. Je vais goûter le matcha d'Andy et là. C'est un grand moment, mais alors on voit ou pas à quel point il est. Enfin, il me dégoûte, on dirait une brosse à cul, genre. Alors, it's matcha time! Regardez. Je suis stressée. Le savant fou. Le bruit du fouet contre le bol, ça me fait grincer les dents. Déjà que j'ai perdu une dent, je vous rappelle. Allez. Ah ça y est, ça commence à mousser. Ça mousse pas. Ça mousse. Tu dis bonjour aux gens qui te volent ta maman. Il faut sachez que quand j'ai signé avec mon tourneur, j'ai fait rajouter dans le contrat le fait que si je décide de prendre Soki parce que je peux pas faire autrement, ils sont obligés de dire oui, genre il faut qu'on trouve des moyens de transport ou des hôtels qui acceptent les chiens. Mais sur le mini-tour, je la prends pas parce que Lucas il est là et du coup il peut... J'ai que des trains qui partent à midi donc je peux m'en occuper le matin et Lucas il rentre en fin de journée et elle sait rester seule de temps en temps. Ouais, elle me manque. On ne dort pas ensemble, mon amour. On est terriblement séparés. Attention. Je crois que j'ai mis trop de lait, putain. Très bon. On dirait une menthe. Ça a du lait à la menthe. Très bon. Bravo Andy. Moi j'adore le matcha de base donc je suis pas objective. Merde. Oh merde. Et c'est, je crois que c'est encore une journée de poisse. Franchement, je suis vraiment... C'est méga dangereux, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on est rentré hier, donc j'ai pas enlevé ma trousse de toilette, mon pyjama. Je vais faire la tenue d'après, quand je vais rencontrer les gens. Je mets mes lunettes de style. Je prends ce pantalon. C'est sympa. Ils vont kiffer à Lille. Ils seront bourrés, ils verront rien. Ça, c'est mon pantalon préféré. C'est vraiment mon excuse, je me le suis acheté. J'étais vraiment... Je suis obligée pour le mini-tour. Pas le choix. Franchement, j'ai envie de la tenter et de pas le stimer. Et d'emmener un... Au pire, j'emmène un steamer de poche. Vas-y, je vais faire ça. Ça, c'est une The Frankie Shop. Il me la prête. Je trouve ça trop beau. Mais il faut vraiment visualiser. Pour le mini-tour, j'ai demandé à Antique et Tonique, qui est une marque de bijoux que j'adore, de m'accompagner. Et en gros, c'est que des bijoux de seconde main. Enfin, vraiment, j'aime trop. Genre, cette bague que j'ai... Pardon, mais... C'est... Ce doigt-là. Cette bague que je porte tout le temps, elle vient de chez eux. Ils me l'avaient offert mon anniv. Et... Enfin, vraiment, j'aime trop. Et la fondatrice, c'est trop sympa. Enfin, bref. Pas un partenariat, c'est vraiment que je les aime trop. Et du coup elle m'a fait une petite pochette à chaque fois avec les bijoux, donc là je vérifie que j'ai tout, j'ai les boucles d'oreilles. Bon, imagine, moi j'ai une vision, c'est le rock genre, et vu que je fais du rock, je rigole. C'est adorable, oh là là, qu'elle est mignonne. Non mais franchement c'est sympa, c'est bien parce que c'est des tenues que je peux mettre au mini tour, je pourrais pas les mettre à la cigale et tout, c'est pas assez. Là je kiffe, franchement Charlotte Cardin elle pourrait porter ça. Vous allez me tuer si je ressors ma cagoule ou pas?
Moi, je vais me faire vanner là, non? Tous les gens du milieu, ils disent que les gens du Nord, plus tu montes, plus les gens sont sympas. Et bourrés. Putain, mais oh, efficace là! Pyjama, ok. Démaquillant, pilule, maquillage. Maquillage, j'ai. Cheveux, j'ai. Déo, j'ai. Parfum, j'ai. Ah, ma perruque. Brosse, j'ai. Tenue d'après, j'ai. Steamer et tote bag si jamais il y a des cadeaux. Ou des petits souvenirs. Offrez-moi des cadeaux. Voilà, je fais babos quand même. Non, je plais. Oh là, oh là 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 là. Je veux jouer, maman, je veux jouer. Bonjour, nous sommes à la gare du Nord. Je parle bizarrement parce qu'il faut parler fort, c'est pas naturel. Et on attend les copains et on prend le train dans... Bon, on en avance, hein. Dans 35 minutes. Et on va à Lille. Bonjour, ça va? Oui, super. Comment ils vont? Ça va? C'est fermé. Le wagon bar, c'est bizarre. En gros, imagine que t'es sur un pont et un train qui passe hyper vite. Non, j'ai plus le droit. Non, tu fais l'âne là. Non, je fais pas l'âne. Attends. Ah bah salut. Tu fais l'arrivée à chaque fois. L'arrivée est douce. Coucou, ça va? Ça va. Oui, super. Écoute. Oh, Dieu, t'es là. Comment ça va là? T'étais où? Il était bon le boule court. Ouais, il était très bon. Le plutôt le mieux. Non, ouais, voilà. Avant, ok. Merci ça beaucoup. Merci à toi. Merci. On manque un peu de drama pour la vidéo. Ouais, moi je vais aller voir, je vais aller installer le commerce là. Pour la collection automne-hiver, leur porte un ensemble double manteau écharpe qui lui permet de ne pas se faire écraser dans le monde. Thomas, on peut y aller, on est prêts. Ce soir il fera moins froid, il y aura des gens. Oh le beau mic. Oh, 1, 1, 1, test, 1, 2. Bonsoir à tous. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Attends, je fais ça parce que Thomas, l'ingé son. Et je pense que tous les ingé sons du monde, quand ils testent les micros pour les balances, ils font ça 1, 1, 1, 1, 2, bonsoir. Pendant genre 20 minutes. Et un petit peu plus de ma voix aussi, s'il te plaît. Voilà. Ah bah voilà, ouais, voilà. Ah oui, non, je vais baisser. De quoi, genre? Ah, bien 5 dB. Hein. Ah ouais. Ben là, en fait, vraiment, il prend des aplats, il... Le mec me suit, quoi. Un cadeau qui nous est fait. Un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, magnifique. Allez, on y va, c'est parti. Les gâteaux princes qui fondent dans le chocolat chaud. Et le cœur qui fait poum poum poum. Alors putain, ça fait mal. Mais non, allez. Je te jure, oh, ça fait mal. Non, bah non, ça va. Moi, j'ai un coup de boule. Moi, je peux le faire. Bon, allez. Ah non, mais stop, le pique-nique. Oh, le pique-nique originel. Il est fou. Non, mais il est trop fort. Il est trop fort d'abord, Jérôme. Il s'en sort vraiment trop bien. Bon combat. À moi. Ah non, non. Ah si, c'est bon. Je suis déjà bloqué. Je peux pas. Non, non, je peux pas. Aidez-moi, aidez-moi. Regarde, les gars, je vais glisser. J'ai peur, j'ai le vertige. Ah, aidez-moi. J'ai trop peur, je glisse. Allez, c'est bon, bah, ça va. Ah. Tu veux dormir? Bah, tu vas m'aider à trouver une story time, Tom. Une story
petite story time pour remplacer Abba. Une petite histoire à raconter, genre à Bordeaux, les danses, c'est pas mal. Ah oui. Oui, mais bon, les gens ont payé pour mon spectacle de stand-up, donc je me dois de réussir ma mission. Non, mais vous voyez, parce qu'on a enlevé 7 minutes, plus la danse, je dirais 1 minute 30. Moi, je suis là, c'est-à-dire, moi, je reste dans l'idée que de leur faire chanter les corons, c'est ce qui est quoi. C'est super. Tu connais pas les corons ? Franchement. Au nord, c'était les corons. Je suis pas sûr. La terre, tu sais, on les fait en harmonie. Charbon. On fait les harmonies trop belles. Oui, le charbon. Les crocs, elles sont bon. Ça, c'est vrai, je me croyais toujours. Je crois que j'ai pas de soutif. Soleil d'août en janvier, quand tu vois ce qu'on va traverser, comment ça peut changer le jeu. On a toujours pas d'idée pour le jingle du... Mais qu'est-ce que ça va être quand je vais faire la cigale? J'ai envie de vous demander un truc que j'ai pas encore demandé aux autres dates. J'aimerais bien que vous fassiez, vous savez, les petits les flashs. J'irai pas sur la lune, je changerai pas le monde. Je sais, je suis pas nulle, mais parfois je me sens comme une. J'irai pas sur la lune, je toucherai pas le ciel. Je sais, je suis pas nulle, mais je suis dans la moyenne. Merci. En fait, vous avez chanté tellement fort qu'à un moment, j'étais genre « Ah, J'ai une fille lacrymale, mais qu'est-ce que j'y peux ? Paraît que c'est pas normal qu'un jour, il n'y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Mais même moi, j'ai... Je suis trop contente. Moi, j'ai kiffé toutes les interventions parler, les gens, ils étaient vraiment... Ouais, tout le monde s'est trop marré. Ah ouais, ça se marre bien. Ça chantait de ouf, franchement. Ah bah, les gens se poilent. Ouais, ah, mais ça s'est poilé fort. Hein. D'accord, de ouf sur c'est le dur, mais répéter une blague sur le fait de parler plus en fort fait, et le fait de continuer à dire que c'est fou. Même quand tu racontes ton fil rouge. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'à Nantes, je l'avais peut-être un peu trop dit et du coup, je voulais pas le dire. Mais en fait, ouais, c'est vrai que sur le mini-tour, c'est jamais cool. Trop. Et tu sais, je me dis des fois, t'as, par exemple, entre tel morceau, je sais que je vais dire ça et ça. Si tu sens que t'as fait une diversion vers autre sujet, tant pis si tu sautes un truc. Si pour toi la séquence elle est suffisamment longue et bien, tu peux la clôturer et dire « et ce titre c'est pas et on enchaîne », tu vois. Et je rebondis aussi ce que tu dis, en fait t'es pas obligé non plus de présenter chaque titre avec une histoire avant. C'est-à-dire que si tu te perds, si t'avais pas dû dire un truc sur un titre, tu dis raconter une histoire. Et ça j'avais fait à Nantes. Et que finalement tu te perds. Ça manque peut-être de titres qui s'enchaînent sans... C'est peut-être que c'était, vu qu'il y a plus les moments « oh putain c'est fou, vous êtes trop beau, c'est trop cool, ouais j'en reviens pas ». Ça fait un peu tunnel. Du coup là ça fait un peu. Et surtout, t'as fait deviner aussi le premier titre de Orelsan, je ne sais plus lequel t'as fait deviner, et après t'as refait deviner un autre titre. Mais bien sûr, il y aura des transitions comme ça où t'as un enchaînement qui se fait naturellement et où t'es pas obligé de présenter à chaque fois chaque titre. Quoi. Ouais. Dans 100 ans, on dira qu'on a dépassé tout ça. Dans 100 ans, on aimera nos corps. Mais pas grâce à toi. Tu vois? Oui. Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres, j'ai... Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable, je sais... Tout ce que je gagne, je sais, car je sais le mal. Ok. Vous êtes beau. On va passer avec la basse. Voilà. Oh, ils sont super, c'est tout. Et ben, on va rester sur quoi, bah. Le
matin même, j'étais en mode je pense que j'ai le Covid, je suis vraiment hyper fatiguée. Et là je suis là, en pleine forme, on dirait un épouvantail avec mon gros pull, mon écharpe, mon gros bob là. J'espère que c'est pas cringe que je sois debout, ça va ? Un peu, je sais pas quand je me dénerve. Non, ouais. Non, ce serait bizarre que ce soit différent. Ouais. C'est quoi déjà ? Je la chante jamais, c'est que je la chante pas en concert d'habitude. Les yeux des gens se posent là, je vois tout ce qu'ils pensent de moi. J'ai quoi chercher, je comprends pas. Ça me tue comme on est toujours habillés pareil. Genre, c'est pas pareil, mais t'as compris, on est toujours dans le même style sans se concerter dès qu'on se voit. T'as vu Laure, tu voulais qu'il y ait plus de meubles dans la tournée, il n'a jamais autant en même temps. Ouais, je suis trop contente là. En même temps, c'est pas facile d'être une fille toute seule, ouais, avec plein de garçons. Moi, ça va, ils sont gentils. Déjà, ils chantent trop bonnes. Donc, à partir de là, voilà. J'avoue. Ça, c'est vrai. Mais ils crient trop bonnes aussi. On se sent pas concerné. Oui. Hein. Merci, désolé, je commence à être désagréable, j'ai l'impression, mais je stresse. Je suis ridicule, forcément, dites ça. Ah merde, c'est pas cool ça. Trop. Oh. Tout j'arrive pas à faire les deux en même temps. Est-ce que c'est Let's stay strong and positive. Let's stay strong and positive. Let's stay strong and positive. Woo! 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 Encore des mots. Toujours des mots, les mêmes. Je suis hors de moi! Ah, c'est horrible! J'aurais même faire un peu la même avec Hugo. Bah ouais, en fait. Mais en fait, permets-toi tout ce que tu veux. C'est quand même le plus dur, c'est d'aller sous la lumière. Une fois là-bas, on pardonne tout, tout va bien, on fait tout plaisir. I don't know. Le concert est annulé, Laure vient de s'exploser la tête dans le mur. Ah oui. Je suis tellement stressée depuis tout à l'heure que j'ai oublié de vous dire qu'on est à Paris, aux Étoiles, et c'est une salle trop belle et je suis hyper stressée parce qu'il y a tous mes amis et il y a plein de gens du label, du tourneur et tout. J'ai peur. Regardez, je me suis maquillée. Vous aimez ? Regardez ma petite tenue. C'est sympa, non ? On dirait une fée. Non ? Vers l'infini et on verra ! C'est nul, j'adore ! Je tremble. Ah, c'est bon pour toi, je veux rentrer sur scène. Oui, même parce que j'ai pas peur. Il rentre sur scène. Je pas. Ok, allez, les gars, allez-y. Je vous aime. Merci. Merde, 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 nique tout. Thank you.
Je suis allée, mais t'as le droit. Salut. Mec, je suis saucé de fou, mec. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Vous êtes les bestes. Au revoir, YouTube. Léandre est une boule de bonne humeur, genre il a toujours été souriant, genre là même quand je le vois arriver je souris, il a toujours été souriant, il est toujours positif, même quand moi je râle, c'est vraiment monsieur citation, genre toujours la phrase pour te remonter le moral. C'est la date de Lyon, enfin, c'est la dernière date, c'est bien mérité, j'espère que vous savez nager, ça je vais la faire ce soir cette blague. Soki est avec nous pour Lyon, Soki, tu pars en tournée. Elle s'en fout. Soki! Ok, les gars, Lyon, il s'est passé une dingue. Normalement, Lyon, c'était l'avant-dernière date, donc c'était avant Paris. Comme vous le voyez, ça a été après Paris, parce que le Rhône a débordé. Et où était mon concert? Sur une péniche. Du coup, il n'y avait plus accès à la péniche, et à la base, le concert était le mercredi. Et du coup, on a décalé au samedi en espérant, en priant, je regardais toutes les heures les trucs genre Vigicru. Je suis devenue une spécialiste de la météo et de la montée du Rhône. Et au final, on a pu le faire samedi. Mais du coup, c'est pour ça que c'est à Lyon, le dernier. Mais c'est pas plus mal, parce que du coup, j'ai fini chez moi. Un mot à dire pour cette dernière date, Benito Constanto. J'ai envie de dire, bonne fête à tous. Le temps qu'il reste à nous aimer. Alors, enlève-toi de 1 mètre déjà, parce que tu vas encore te foutre dans la tronche. Chiant qu'ils vont pas chanter. Je sors pas chiant déjà. Je chiant qu'ils vont pas chanter. Quoi, tu vas faire caca? Non, tu vas pas l'arrêter, t'as pas l'arrêt, Post-caca? Petit chat. Chic. Ouais, ultra chic. T'es mal. Chic et décontracté. Ouais, c'est pas grave, hein. Même elle t'emmerde dans la salle. Waouh! Wow. Impossible. On dirait vraiment qu'il y a une perruque, genre. Non, mais c'est pas possible, c'est bouclette, t'as des anglaises et tout, mec. C'est toi l'anglaise. C'est quoi? Complètement bête. Ah, ça me fait chier, putain. J'ai peur, je sens que ma voix elle est cassée en plus, ça m'énerve. Vers l'infini et on verra. Non, c'est les petits pots. Les petits pots vers l'infini. Ah oui, et on verra. Et toi tu me dis, c'est comme ça, le temps passe. Est-ce qu'on garde le meilleur? Dis-moi qu'on retiendra les visages et les odeurs. Dis, que veux-tu qu'on y fasse? Je suis trop contente au final qu'on ait dû décaler la date parce que j'ai pu finir à la maison. Merci beaucoup, je vous aime très fort et j'espère qu'on se revoit au transbordeur. Vous voyez, en général. Merci.
tu me dis, c'est comme ça, le temps passe. Est-ce qu'on garde le meilleur? Dis-moi qu'on retiendra les visages. Eh ben, je crois qu'on s'est tout dit, effectivement. Ah, bisous. Voilà, ça va être le plan le plus nul. Ma belle, bonne fête de fin d'année. Je déteste les au revoir, du coup je suis un peu gênante. Parce que ça me rend triste sinon si on fait un truc hyper dramatique. Les amis, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont venues au mini tour. C'était vraiment trop important pour moi de faire ces 5 dates. Même si c'était dans des petites salles, pour moi c'était vraiment un truc de ouf à vivre. Ça m'a permis de me faire à la scène, de vivre des nouvelles expériences et surtout de vous rencontrer. Et j'avais vraiment envie de ça avant de partir sur une plus grosse tournée avec des vrais moyens, un show beaucoup plus gros, beaucoup plus travaillé. La suite recommence en avril dans des plus grosses salles. Il y a déjà certaines dates qui sont complètes, mais il y a d'autres dates qui sont pas encore complètes. Donc si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient avec moi, Benoît, Léandre, Jérôme, Jules, Thomas, Hugo, Aragné, tout le monde, bref. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au pire, mon collant il se file ou mon haut il craque, c'est le pire. Et ça, je peux pas. Un bad buzz est un buzz.